Les traditions culinaires martiniquaises pour la fête de Noël sont riches en authenticité. Même si aujourd'hui nous qu'à manger foie gras, huîtres, etc., ni des mondes qui qu'à fête tradition en vive, et puis bon pâté cochon, et puis surtout bon cochon Noël. Je dis Zot Kewe que tradition en là, dans émission Zot, délice Noël en émission à consommer sans modération. Installe-le manger pour lui parce que quand je le mets comme ça, quand c'est un pile, il jette. Je suis obligé d'installer pour eux parce qu'ils sont à plusieurs. Bonjour la Sissi. Bonjour Patricia, comment ça tu vas? Ça va ma chérie. La Sissi m'en finit, ouais, parce que moi, savent que au Pouba, nous, on lisson de tradition. Moi, ça fait que meilleur cochon Noël et puis meilleur petit pâté à c'est où qui a fait? Ah, pourquoi pas les pâtés cochon tant longtemps? Exactement. Ah, oui, parce que bon actuellement, on ne peut pas faire pâté cochon tant longtemps. C'est ça. On ne peut pas faire pâté, toute qualité, le mot oui, alors. Oui, biche, tout bagaille. Et c'est pâté cochon qui pâté pour la Noël. Alors jeudi, moi, ça veut montrer nous comment il nous a fait pâté Noël et puis bon tuisse bon Noël. Bon parce que jeudi, c'est puis tout ça qu'ils en ont, la miel, etc. Mais c'est pas qu'on sait le café ça. Fait, ouais, ça hein. Parce que là, on va faire un jambon. On va prendre un jambon, on va briller. Et d'abord, parce qu'après, on a un jambon pré-cuit. Exactement. Mais après, c'était un jambon salé. Faut que tu mettes ça trempé 2, 3, 4 jours avant. Exactement. Tous les jours. Ou quoi jeter de l'eau, quoi citronner bien propre, quoi jeter de l'eau, quoi citronner bien propre. Là ouais, ni peut-être 4-3 jours, ça bien dessalé. Alors t'as quoi mettre une tuite, quoi printemps, on l'y met du février, mettre un bon fait tout noir le février, et pourquoi mettre ça bon brun mai. Alors nous savons que nous peut pas tuer cochon encore bokay nous. Pièce. Donc ces cochons nous pour acheter ou bien là qu'il le boucher ou bien voilà. Dans le centre commercial. Exactement. Bon ben on nous passe en cuisine, mon besoin comment on nous a fait pâté et puis jambon oui, Noël. Mais oui, on va faire un petit pâté. Un petit pâté. Quoi qu'il m'a tout un pioc mais on va faire comme un pé. Mais non, c'est la tradition, c'est mais bon bagaille qu'il a bon délice Noël. On va aller faire bon pâté et puis bon jambon Noël. On fait un pâté à présent, faut qu'on bon ça qu'il faut pour mettre en pâté, c'est pas tout dire, on fait pâté et puis bon, quand on fait des pâtés, on va dire c'est pâté commercial. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Actuellement, nous qui fait jambon Noël. La Sissi, tout ça, pas ça. Nous parler, mais nous qui fait jambon Noël. Jambon Noël, c'est qui ça? Parce que moi, savent que, excusez-moi, que jambon en Martinique, nous qui a mangé cochon. Du 1er janvier au 31 décembre, parce que cochon, nous peut manger presque toute bagaille. Voilà. Et puis, mais à Noël, cochon, nous peut manger encore plus souvent et sous différentes formes. Donc ça, c'est qui ça? Un twist aux épaules cochon. En épaules cochon. Et depuis toujours, c'est les épaules cochon nous pas fait? Les épaules ou twist, les épaules ou twist, peu importe. Depuis, c'est puis faire un jambon. Donc on savait qu'avant, t'es ni le traditionnel, le tuer cochon, et puis former là ses voisins, pas ni ça encore. Actuellement, on peut pas même soigner un petit cochon au caillou. Parce que l'État parlait ça. Il y a des maladies et il y a tout ce monde qui a mangé cochon et pas de maladie. Alors, à l'heure qu'il est, c'est tuer l'abattoir. Vous ne pouvez pas tuer la caillou. L'eau allait tuer l'abattoir. Il n'y a pas qu'à avoir des fruits pour faire. Ah. Pour faire aïe. Il n'y a qu'à avoir le moitié de boyoua. Et puis bon. Donc, du coup, c'est ça qui était. C'est ça qui était. Donc, petit cochon, c'est un cochon qu'on va acheter ensuite. Non, jambon, vous en savez si vous pouvez acheter. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on a fait un bon jambon Noël? Eh bien, pour faire, moi, je vais mettre un lait pour chauffer d'abord. Alors, pour dire, il faut que nous prenions. Coconec, nous, quoi que ça. Coconec. Coconec, c'est qui ça? Ça casse la vie à qui ça? On t'y fait depuis un temps longtemps. On t'y fait des garçons. En tant que diable des garçons. Bon Dieu. Et nous, qui fait qui ça et puis ça? Nous, qui repasser jambon? Nous, pas repasser jambon. Nous, qui plicher jambon d'abord. Nous avons quitté la poire pour nous mettre dans la poire de gol ou bien dans la poire rouge là. Et puis nous avons mis un petit brin sucre en l'air et puis nous avons appuyé le jambon en l'air qui veut dire nous avons caramélisé. Ouais. D'accord, alors, très bien. Nous avons tiré le gros la poire là. D'accord, la couenne non? Ouais. Et puis après nous avons passé un petit brin sucre en l'air. D'accord. Nous avons passé le coco nègre en l'air. Mais c'est mon nom qui a repassé puis coco nègre là aussi. Oui, mais c'était ça nous t'es nini. Donc où t'es repassé puis coco nègre là et puis où t'es aussi mettez ça en le cochon. Oui, mais on va finir quoi si faire bien pop. D'accord. Et pour bail bouger faire bien pop. Quoi repasser n'importe le et puis après parce que l'on finit puis quoi nettoyer quoi passer un gros jet sans bail. Quoi nettoyer bien pop. Mais là, Sissi, racontez-moi si vous avez préparation Noël là, en temps, et puis toute cette famille, toutes ces voisins là. Attends, moi, là, moi, j'ai levé, petit maman, j'ai maman, moi. C'est pas tes papa, maman, levé, c'était beau, père, moi. Il a levé, nous, à 4 heures de matin, c'est-à-dire depuis la veille. Nous, quand on a acheté l'oignon, maman, moi, t'as fait jardin, nous, quand t'as tout acheté,
Donc, après, préparé l'on a préparé tout le bail. Et qu'a pris un cochon, il a quitté deux jours sans manger. Deux jours sans manger? Oui, parce que pour on dit, il n'y a pas trop de caca. Ah, d'accord. Trop résidus. Et puis, à l'état, les 4 du matin, il a levé nous tous. Pour nous, ça tient bien cochon. Donc, la Sissi, dis-moi, comment ça t'a passé Noël et puis jambon, hein, le haut et petit? Le haut et petit, ou pas te ka acheter jambon, hein? Te ka couper tuis là. Te ka mettre un bon bout de garni, bon bois d'en, petit brin sel, ou te ka mettre à dans fait tout de l'eau et vous te ka mettre ça brille. Te bien brille, bien consommé, bon machin ça. Et puis après, vous te fait même manière que vous avez fait là, vous avez pliché, et puis vous te glacé et puis sucre là. Et puis sucre là, ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous pas ni même manière, mais c'est bien, vous avez fait transition. Exactement, exactement. Alors, donc, mettez sucre en l'air et puis vous avez passé faire. Ok, donc mettez sucre. Oh les jambons. Ça m'a dit jambon ta m'a pas trop de confiance. Ça c'est un jambon que tu fais. C'est un jambon ou tu salé ou tu ça va coûter mettre trempé. Mais là on va cuire on va mettre trempé. On va pas mettre trempé parce que il est après cuit. Donc actuellement nous mettons tout ça à l'œil, nous va mettre en ça. Non. Nous va mettre au four, nous va mettre au four, nous peut manger comme ça. Oui. Ça j'ai tout de suite. Eh ben, coupe dis-moi sur l'œil. Aïe. Mon Dieu! Ah, j'ai tout ça bon, hein? Cochon bon, il douce même, coco nègre, cochon Noël. Faut bon bagaille nous-mêmes, bagaille, bon bagaille nous traditionnel et facile à faire. Actuellement, nous, ouais, pour cochon, faut que nous commander le café, c'est pâté, hein? Donc, pour faire ces pâtés cochon, nous besoin, qui ça? L'ail, l'oignon, tidité, godité, persil, bon braden. Donc nous allons mettre tout ça dans moulinette. Dans moulinette, nous allons mouliner tout ça. D'accord. Très et nous finissons, nous allons mouliner viande parce que nous pas acheter viande à chez personne, nous faisons viande nous-mêmes. D'accord, très bien. Ouais, nous pas acheter viande à nous-mêmes. On nous mouline ça. Donc maintenant que ça a été haché, nous allons procéder à la réalisation de la farce. Nous allons mettre à deux poils là, pour nous faire bien. Il faut qu'il bien puré. Hein? Bien fait où est venu. Mais si dis-moi, il y a un bagaille que m'en savent. C'est qu'avant, mon te prend la graisse là pour faire ces pâtés là. Mais comme c'est là, pas pour... Des morceaux cochons, des cons là, ou les cochons. Attends, c'était pour faire bouder. Hein? Ah, d'accord. Quand on a des bons morceaux boudés comme ça, on va lâcher, on va chauder d'abord, briller, on va venir lâcher pour faire boudé. Et pour faire pâté, à qui partie du cochon, on monte capon? Eh bien, c'est viande, c'est viande. Donne le cochon directement. Viande. Nous allons faire ça revenu bien comme il faut. D'accord. Donc, qui préparation pour le morceau cochon? Parce que mon carré, il tuit là, il jette tuit. Oui, il faut que je chauder, il tuit. Moi, tuit et puis un bon bout de garni. D'accord. Et puis bon bras de nadan, light, long, tout le bagaille. Donc, nous avons acheté ragout actuellement, c'est ragout. Oui, cochon. C'est ragout cochon, on m'a acheté. C'est ça qui est là. Donc, nous avons mis petit et après, nous avons mis en face. C'est bon? Oui. Mettez petit. Parfait. Bon mélange. La Sissi, je me fais pâté et puis cochon. On dit qu'il fait un bon haricot rouge, un bon yon, et puis dit oui, et puis. Parce que ça casse un petit bon. Mais tout bien là, c'est préparation, hein? Quel que soit bail là, il y a. Les pour préparer, il casse un petit bon, hein? Donc, nous allons mélanger tout le bail là. Tu mets l'huile là-dedans. Et puis, il y a la tuer. Tu vas mettre l'huile à chaîne, moi, dedans? Oui, vous nous mettez du bon huile. Tu mets l'huile. Dis-moi, stop. Mettez. Mettez bon. Tu vas y hacher. Tu mets l'huile et puis, à chaîne, c'est mettez. C'était quoi avant? Nous avons fait la plate. Tchoukouk. Mais là, nous avons fait du feu pour que nous. Un bon chalet là. Et puis, du feu nous, puis.
Donc nous mettons l'oignon, oignon pays, thym, l'ail, viande cochon, petit bon l'huile, voilà. Toute baguette là, émincé, mixé, et puis mimi bon. Donc à quitter pour. Belge aussi. Et puis après, nous avons fait ces pâtés. Alors, nous allons attendre un petit moment. Et puis ensuite, nous allons passer à la préparation des pâtés de Noël. La confection, Alena. Vous avez fait préparation. Alors, Patricia, on va venir de me planter ça là où la rende manger tout le monde dans la six saisons. Ça va. On va quitter un basse chez moi. Ah si c'est bon, ça a bien cuit là. Alors comment on a nous qu'à faire ces pâtes, c'est un pâte nous, donc c'est en pâte brisée. Ouais. Bon, en pâte que nous va mettre vers les chaque. Si nous qu'à faire un petit rond et puis chaque. Mm-hmm. Et puis dans l'état, nous qu'à faire comme ça. Dis-moi. Nous qu'à faire comme ça. Là. D'accord. On fait ça. D'accord. Là on est en pâte là. Donc au fait. Chaque deux morceaux on est en pâte. En fait c'est petit verre là qui a. C'est le qui a émoule moins. Qui s'émoule. Oui, c'est un moule. Là, et tu as une cuillère. Il faut avoir une cuillère. Donc nous allons mettre des petits noix de force. Voilà. Mais ici c'est des petits noix, nous allons mettre. Parce qu'il y a assez, mon cher. Gagnez bien. Mettez bien. Mangez à souille bien. Mm-hmm. Donc nous allons faire ça et nous allons recouvrir. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis nous allons pincer comme ça. Voilà. Ok. Bien battu. Donc ça nous café nous en pâté. Voilà. Mes pâtés sont bien dorés, maintenant 30 minutes au four. Voilà. La Sissi Vini, émission en jabout, oui. Eh bien, mais oui. Ah, je dis, et puis la Sissi nous fait jambon. Bon jambon et puis bon pâté. Là, il vient goûter, autres. Il va vous a mangé tout, mais il va goûter à tiel. Ah, bagaille là, au bidou, le monde dit. En tout cas, merci à vos téléspectateurs. Nous allons retrouver avec nous très bientôt. Et puis, en notre recette, en fondant tradition, nous, et puis bien sûr, en notre famille. Tout ça dans le respect de la tradition de Noël. Respectez la tradition. Bon Noël à tous autres. Et puis, au revoir tout le monde. Bon Noël.